Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Épisode 5. La suite. Oui. Tu fais plus la blague. Tu l'as fait pour le 3 Non, pour le... Bon, non. Bon, après la 5 et la 4. Ouais. Allez, premier bol de l'épisode 5. Un bol, comique avec. De répétition. Alors, il y a pas mal de choses. Ça vient de chez, déjà dans l'ordre, ça vient de Maruhiro. Oui, ça c'est un petit bol de Maruhiro. Noshiba. Bien. Qui est sympa. Noshiba, ouais. Après, on a beaucoup de Chagoy, alors en guinrine, en clair, en plus clair, en moins clair. Ouais, en couleur après, on plus a... évolué, ouais. Pas plus foncé, couleur de thé. Ouais, on a un Soragoy à droite, là. Ouais, qui est à côté de Shiba. Et puis un Karashi. Et qui, puis, est tout, qui est à gauche. Ouais, et puis au milieu, un Ginga. Oui, mais c'est pas une couleur. Pas Ginga, moi j'aime bien ça. Moi, c'est surtout ça pousse très vite. Hein. Oh la vache, on a attrapé le. Ah oui, un taureau, ouais. C'était énorme, il était énorme. En même temps, en record, quoi. Ça pousse très très fort. Ah ouais, mais quand ça veut, quand c'est un peu d'espoir, ça reste très de bon. Nourriture, hein. Les maillages ouais, ça bouge sont pas beaucoup. Bien marqués. C'est des poissons plutôt sympathiques. Ça. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est des poissons qui font 35, 40, 40, ouais, on va dire les plus gros. 40, ouais, peut-être. Et à moins de 200 euros, 195 euros. TTC. Ouais. TTC, ouais. Donc, un bol sympa. Ah, bah, celui qui veut quelque chose pour s'amuser, pour pousser, on prend pas grand risque, quoi. Oui, ça pousse. Après, un bol. Bah, alors, une Red Kujaku. C'est marrant, j'avais quasiment la même il y a 2 ans. Hein. Le pattern, de toute façon, on va venir 2 ans en arrière. Ouais, ouais. Ah, c'est des poissons jolis, moi. Il y a un éclat métallique au soleil, c'est très sympa. C'est plutôt propre. Et là, on voit le fucurine, les maillages sont bien sortis. Ah oui, c'est joli. Ouais. C'est un poisson qui a pris du body. Hein. C'est une femelle. Ça se voit. C'est 55. Et les pectorales restent très blanches, le reste de la tête propre, aussi. Ouais, c'est un joli poisson. La taille, bah, tu me l'as pas marqué. 55. Ok, 55. Et on est, alors sur celui-ci, Sansai, 595 euros. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, un Shiro de souris. Deux même, hein. Ouais, deux. Enfin, celui, celui qui est collé contre la Kujaku, là. Le plus petit. Ouais. Ouais, alors ça, ça vaut 295. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Isai. Ouais, alors, très clair, très très. Ouais, le blanc alors, est. Très très propre. Blanc est impeccable. Très très propre. Là, la vidéo ne rend pas. Ouais. Très très propre. Beau poisson. Ouais, ouais, avec le noir à venir sur le côté, là où il en manque, il y a un. La jambe m'a dit un petit peu de noir qui sort là. Ça... Ouais, c'est vraiment joli poisson. C'est peut-être pas le plus beau débuildé, ça c'est sûr, mais c'est joli poisson. Et l'autre, Shiro de souris, alors qu'il est déjà beaucoup plus costaud. Ouais, et puis évolué, il a pris en body. Ouais, alors lui, je pense que c'est une femelle, je pense. Malheureusement, je pense que c'est un mâle. Pas malheureusement. C'est tout. Ouais, c'est un mâle. Alors, très pareil, très, très 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 propre au niveau. Pattern équilibré. Ouais, c'est pareil, dans les 4. Le noir va sortir un petit peu sur la tête, ça va faire un poisson, ouais. Tu m'as dit 395. Oui, ouais. 195, c'est comme chez Carrefour. Ah non, mais c'est 5 euros aujourd'hui. C'est pas 2 euros. Alors remarque, avec 5 euros, tu fais pas grand chose, mais 5 euros, c'est 5 euros. C'est ce que j'allais dire. Pas grand chose. Donc voilà, un bol. Red Kujaku, c'est pas si fréquent, en bonne qualité. Ouais, mais je trouve qu'il est propre. Ah oui. Je trouve qu'il est vraiment joli. Un joli poisson. Et puis on prend pas de risque, parce que comme il est déjà bien évolué. On voit le maillage. Moi, je pense qu'il est. Voit l'équilibre du pattern. Je pense que c'est un bon poisson. Ouais. On va faire quelque chose de joli. Alors, après, ça, c'est ce qu'on va faire. Un bol. Ça, c'est chez Karashi. Karashi, ouais, au voir. On est revenu sur. Alors, là, on est plus dans le Kiko Kiryu. Alors, les poissons qui font à peu près 40 cm aussi. Taille, évidemment. Alors, vous avez. Et ça va de, je sais même plus, 200, 290 à 450. 450. Voilà. Ouais, j'essaie de recadrer, c'est pour ça que je sais pas. Donc on a, oui, à gauche, à droite, pardon, c'est assez rare. Enfin là, il est en bas. Le Tancho. Ah, le Tancho Kiryu. Ouais, enfin, on dit quoi, Tancho Kiko Kiryu. Ouais, c'est un Tancho. C'est rare. Ouais, plutôt joli. Et alors, pour un Tancho, des fois, ils sont pas très blancs. Là, magnifique. Je trouve que le body est très blanc. Ça va être métal, hein, un petit peu. Hein. C'est un Kiko. Il y a un potentiel. Ah oui, c'est un joli poisson. Bon, c'est celui les écailles sur un dorsal. Le rond est top. Sympa. Et puis, il y a ses frères à côté. Le reste, Beni Kiko, hein, vous voyez. Alors, à gauche, il y en a un très orange en bas. Ouais. Ah oui, majoritaire, mais il y a pareil l'effet métallique sur les nageoires. Ouais, c'est un joli poisson aussi. Équilibré. Et puis à l'opposé, je trouve celui du milieu là, en bas, avec un pattern plutôt
métallique blanc avec les ouais, oranges qui alternent. Celui qui remonte là, ouais. Ouais, ouais. Sympa aussi celui-ci. Ah, très joli, ouais, très propre. Puis un orange. C'est un style différent, ouais. Mais moi j'aime beaucoup. Propre, ouais. Ouais. Bah, vous avez des Ginga. Ginga Ginrin. Donc on en a à gauche, en haut. Ouais, vous en avez à gauche, en haut. Vous en avez en dessous. En haut à droite aussi avec les écailles beaucoup plus grosses qui ressemblent un peu à un aragouquet là. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est des poissons qui vont pousser très fort. Et puis en haut, on a à nouveau des Kikokeryu avec l'orange sur la tête. Un Kujaku aussi au milieu qui se promène. Et au milieu, un Kujaku. Ouais, exact. Qui est venu voir ce qui se passait. Ouais. Alors des poissons, voilà, Ozumi, hein, Karashi, des poissons toujours un petit peu atypiques. Mais bon, moi j'aime bien. Ouais, il y a un bol qui est sympa. Là. Ouais, c'est le genre de choses. Assez rigolo. Quoi. Et donc, on est de 290 à 450 euros sur Denisa. Voilà. Ensuite, on change de taille. Ouais, là, un très très beau Ginrin Soragoi. Mais vraiment très celui beau. Celui qui est à droite qui descend. Là, qui... Ouais. Femelle qui fait. Oui, bon. C'est un très très bon poisson. Bel éclat, bien les écailles, c'est symétrique, c'est réparti. C'est vraiment joli. Le body est propre. Ouais, alors, c'est pas beau. Filmé, c'est plutôt filmé entre les deux poissons, c'est pas évident, là, mais on le voit qui remonte là. Il est très très beau poisson. Le prix, 590, si je ne me trompe pas. Ça, franchement, ça les vaut. Ouais, super. Très 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 beau poisson. Il a quel âge? Je sais pas si tu l'as dit. C'est Sansai, ça? 3 ans. Ok, Sansai. Et celui du dessous est à 390. 10, ouais. Un Karachi. Il va pousser aussi là, il s'est un peu allongé. C'est une femelle aussi. Et hein. Il va prendre en body. Une femelle aussi, fort. Je pense que ça va pousser relativement. 390, bien. Ça par contre c'est un Isai. Oui, c'est un Isai. Alors c'est beau, c'est, les bodies sont. Ouais, ah, mais la Soragoi est vraiment très très jolie. Ouais, là t'aimes bien. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, je trouve vraiment qu'il a un body, il a une tête super propre. Quoi. Beau poisson. Ouais, beau poisson ça. Et on redescend en taille. Bah, un toujours, bol de chez Ikarashi. Ou encore. Ça, tu l'as pris en même temps. Ouais, alors bah, c'est toujours des choses un petit peu différentes. Ouais, oui, c'est différent là parce que. Alors, Benikomon Ryu, il y en a deux. Il y en a à droite là. À droite, c'est l'autre en haut là. Vous voyez, tac. Et, ah ouais, là je me serais fait avoir, mais oui, d'accord. Parce que j'aurais dit Akasanke, et non, en effet, il n'y a pas de blanc. C'est un Beni. Bah, il est très très beau. Du blanc sous la lâche, sous la ligne latérale. Ouais, mais pas au-dessus. Non. Donc, deux Beni. Common Ryu. Ouais, ils sont beaux. Hein. Bon, après, ça évolue toujours avec le temps, le Benny Common Ryu. Ouais, moins qu'un Common Ryu tout court, je trouve. Ah oui. Parce que le grand Common Ryu tout court, ça change vraiment très souvent. Souvent, les gens, des fois, se disent ah, putain, il est tout noir. Puis un an après, il y a du blanc. Ouais. Bah, c'est ça qui est marrant aussi, quoi. Voilà, les faut accepter que ce soit pas une photo, quoi. C'est quelque moi, chose je trouve que le pattern est équilibré. C'est quelque là, chose qui vit, quoi. Ils sont très beaux. Ah, vous avez un Doi Tsukujaku là, en plein milieu, là. Ah oui, l'orange. Avec la tête vers le bas, avec l'orange. Pas si fréquent. Ouais, il est propre, ouais. Une Deutsch Sankei, c'est pas un Kohaku, c'est une Sankei. Là, elle est en train, au milieu, il y a des points noirs qui commencent à sortir. Et puis, vous avez des Kujaku. Des Kujaku en Wagoi. Ouais, Kujaku en Wagoi. Il y a un Deutsu, et puis les autres. Et puis, vous avez un Kikusui aussi, sur la gauche. Oui, qui va vers la gauche, là, qui arrive sur la tête, qui descend. Ouais, joli ça aussi. Ouais, c'est joli ça. Ouais. Ouais, donc il y a de quoi se faire plaisir parce qu'on n'est pas cher. On est sur le bol au même prix à 290 euros. Ouais. De chez Ikarashi en Isai. On n'a pas dit la taille. 35, 38, 40. 38, 40, 42 peut-être. Voilà. Ah oui, le Common Ryu là à gauche, je pense qu'il est. Oui, il doit pas être 40. Il fait peut-être même un peu plus. 42, 43. Ouais. C'est à peu près la taille, mais enfin, il ne faut pas se battre pour un centimètre. Ça va prendre vite. Hein. Achetez pas un poisson parce qu'il fait un centimètre de plus que l'autre. Hein. Je trouve ça. C'est ridicule. Il faut vraiment que le poisson parle, quoi, parce que sinon... Bien sûr, oui. Enfin, quand je dis qu'il vous parle... Oui, qu'il plaise. C'est un ensemble, un poisson. Je ne supporte pas, il chuchote pas à l'oreille, hein, mais vous comprenez l'idée, quoi. Mais sinon, voilà, quoi, faut que ça vous plaise. C'est pas un centimètre de plus ou de moins. On fiche. Alors là, c'est un Mukashi, un crème. Crème Mukashi. Crème Mukashi très clair. Ah, il est très très clair, une femelle. Très homogène, pas de tache, il est joli, hein. Alors c'est pareil, lui il a grandi. Lui c'est un poisson qui a mis tout dans la taille. Ça c'est pareil, c'est un machin qui va prendre en, ah bah oui, ça, c'est en body. Ouais. Ça c'est évident. Hein. C'est un poisson qui est déjà assez gros, hein, qui doit faire. Tu m'as dit femelle. Oui, femelle. Oui, 65-70. 10, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Il n'a que 3 ans. Ouais, ça va pousser. Je pense que c'est plus près de 65 que de 70. Mais bon, c'est ça va exploser, quoi. Quel éleveur Ça c'est Marouzé. Et on est à 690. Ouais, c'est pas cher. Ouais, beau poisson.
Très très propre. Hein. Juste un manque un peu de body, mais ça. Ça dans un bassin comme ça. Sol, je suis pas inquiet. Ouais, en général, femelle, je suis pas inquiet. C'est pas un problème. Bon, allez, je sais pas si on aura le temps de vous en faire beaucoup plus d'ici les PO. Tu arrives, hein, qui se rapproche, hein. Ouais, puis le temps file, et puis il y a du boulot. Mais bon, on fait d'abord ceux qui viennent, voilà, priorité aux gens qui viennent. Ouais, au PO. Après, tu mettras sur le site. Puis après, c'est l'idée. C'est un peu quand même les gens qui font le déplacement. C'est un moment sympa de convivialité sur la journée. Ceux qui font l'effort. C'est encore une période où tu offres le repas du midi. Oui, soyons fous, on vous offre le repas du midi, on vous offre même un café. Oui. Boisson comprise. Boisson comprise, ouais, c'est incroyable. Nous sommes d'une générosité sans nom. Et café, petit déjeuner pour ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent trop tôt. Qui viennent te réveiller. Même des croissants, voire des Madeleine Bijoux. La Madeleine Bijoux, la référence limousine. Ouais, dans la région, ouais. Ouais, tu veux que ça commence à 9h, vers 9h? Oui, s'il y en a qui veulent arriver un peu plus tôt, on sera là. Oui. 9h30, mais disons, allez, vers 9h. Allez, ça marche. On va pas vous faire lever à point d'heure non plus. Allez, merci bien. Les jeunes gens, à bientôt. Allez, à bientôt. Allez, au revoir.